bumuzi Boya 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 kotalaye Azana bomoye Kolo yesu akamoli na soni Yesu alomoli na soni Masia yesu akameli na bumoye Boya 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 kotalaye Ah Azana bomoye Kolo yesu Hello, 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 hello. Welcome back to my channel, Féroline, la fille de Dieu. Féroline, la fille de Dieu. As I said, tout est grâce. L'eau les eaux foutent, l'eau les eaux foutent. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Nzamba bien, nzamba malamu, nzamba nous bénit. Dieu nous fait du bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée avec ma fille chérie, Péniel. Tu t'appelles comment? Péniel. Tu as quel âge, Péniel? 2 ans. Péniel a 2 ans. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vais faire à manger avec ma fille. On est dans ma cuisine, donc on va préparer quelque chose. On va préparer quoi aujourd'hui? C'est le poisson? Poisson. C'est le poisson avec quoi? Mayo. C'est très bien. On va préparer le poisson avec la mayonnaise. Donc, c'est l'iboki, hein? L'iboki à poisson, l'élo. Donc, vous étiez nombreux, nombreux à me demander, sœur Féroline, servante de Dieu, c'est quand tu veux nous préparer le poulet, c'est quand tu vas nous préparer le poulet, c'est quand tu vas, pardon, c'est quand tu vas nous préparer l'iboké, l'iboké à mayonnaise. Donc, vous étiez nombreux, vous m'avez envoyé des messages sur mon Snap, sur WhatsApp. Donc, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. On va préparer ensemble avec notre fille, notre petite sœur, tout. Donc voilà, on est, je suis accompagnée en tout cas. Je suis très contente avec ma fille parce qu'elle voulait vraiment le faire parce que ça fait très longtemps. Et là, tu vas avoir 3 ans bientôt. Donc ma fille, elle tenait vraiment préparée avec moi aujourd'hui. Donc Dieu nous a fait grâce. Je suis avec elle, avec Péniel. Tu fais coucou, tu dis abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne. YouTube. Féroline, parle. Féroline, la fille de Dieu. Oui, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Féroline, la fille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va commencer notre première partie pour vous présenter la nourriture qu'on en a besoin pour notre liboké, que pour préparer le poisson avec la mayonnaise. Donc, mes frères et sœurs, c'est très simple. C'est très, très, très simple. Donc, on va commencer rapidement. Vous présenter. On a besoin de notre cube magie. Donc, le cube magie de Jimbo. Donc, on a besoin de ça, de cube magie Jimbo poudre. Là, donc, là, c'est en poudre, hein, vous voyez. Sans poudre là, vous pourrez les trouver partout dans les boutiques. On en a besoin de deuxième aussi que je vais utiliser aussi. Je le mets une cuillère à chaque fois. Donc c'est le poudre toujours, le cube. Et on a besoin de la mayonnaise, Péniel. Il y a besoin de la mayonnaise. La mayonnaise, oui. Et on a besoin aussi de moutarde aussi qu'on va le mettre aussi, moutarde un peu. Et on a besoin aussi de jam-jam aussi. Là, c'est déjà mélangé, jam-jam avec l'ail. En fait, là, c'est l'ail déjà, c'est déjà écrasé. Mais j'en ai encore, je vais mettre 2 en fait déjà écrasés. Et les boules que vous voyez, Péniel est en train de déjà le faire. En train de le faire, hein. Vous voyez, Péniel, elle le fait souvent à la maison. Ya, ya, ya. Oui. Oui, Péniel, elle est là, elle est contente, elle aime bien m'aider. En fait, quand je suis dans la cuisine, ma fille, elle aime bien m'aider. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle a insisté vraiment qu'elle soit avec nous. Donc, on va continuer la présentation. Donc, on a notre aussi poivron vert. Dans le poivron vert, on en a besoin des poivrons verts, les mamans, pour le mettre. On a besoin aussi de jam-jam. On va mettre juste un peu. Je veux vous montrer aussi. Donc, on ne le mettra pas beaucoup, vous allez voir. Et les ciboulettes aussi, moi je les coupe déjà, je les mets dans le congélateur. Il est déjà congelé, les ciboulettes, elle est là. Et on a besoin d'oignons, pas beaucoup, jusqu'à 1, c'est suffisant. On a besoin aussi des citrons pour enlever aussi vous savez, en fait, il y a des ailes avec notre poisson pour l'enlever. On a besoin de ça, le citron. Et on a besoin aussi, on a besoin des piments. Et on a besoin aussi de... des poivrons noirs, vous pourrez mettre aussi des poivrons noirs aussi chez vous, celui-là ou bien celui-ci, donc deux modèles, vous pourrez acheter aussi dans les magasins. Et on a besoin aussi des moutardes aussi, de muscade en fait pour le mettre, donc le muscade aussi,
Il est là. Et après, le poisson. On a besoin de poissons. Ils sont là. Il faut bien les laver. Hein. Je l'ai bien lavé, le poisson. Et là, vous voyez, le poisson, il est là. Je l'ai déjà lavé, j'ai déjà nettoyé, j'ai déjà coupé aussi. J'ai déjà fait des blessés. Il faut les blesser, en fait, sur les côtés. Comme ça, les saisonnements, ça va bien rentrer. Et on a besoin de ça pour mixer, pour enlever, pour couper pour le muscade. En fait, on en a besoin pour le muscade. Et ça aussi, on en a besoin. Les mamans, on en a besoin. Vous allez voir tout à l'heure qu'on va le mettre dans le barbecue aussi. Et on a besoin de plans de travail. Hein. Donc, pour couper nos trucs. Et les en fait, les ail aussi. Vous voyez, les ail, en fait, Peigné, elle a déjà commencé à couper. Je vous avais montré l'ail, en fait, que c'est déjà mixé tout ça dedans. Mais elle, elle a déjà commencé à couper. Je pense que je vous avais présenté. Et on a besoin aussi des papiers alu. Donc, les papiers alu aussi, on en a besoin pour mettre notre poisson. Vous allez voir tout à l'heure. C'est très simple, mes frères et sœurs. Parce que vous êtes nombreux à me demander comment on fait les boki à poisson. Donc les poissons, vous n'êtes pas obligé de faire que ces poissons-là. Vous n'êtes pas obligé de faire ces poissons-là. Vous pouvez faire avec les poissons. Vous pouvez faire avec les poissons de poisson chanchard. Comme moi, aujourd'hui, je prépare avec les poissons chanchard. Vous pouvez faire aussi avec les poissons aussi chat. Et vous pouvez aussi faire avec les poissons aussi tilapia. Tous les poissons que vous voulez chez vous, vous pourrez préparer cette recette que je suis en train de vous montrer aujourd'hui. Vous pourrez préparer avec tous les poissons. C'est pas qui avec le poisson, c'est lui-ci. Donc moi aujourd'hui j'avais ça à la maison, c'est pour ça que comme vous étiez nombreux, vous m'avez envoyé des messages souvent. C'est pour ça que j'ai eu le temps de les préparer avec ça. Donc je vous montrerai la deuxième partie tout à l'heure. Oui, t'as coupé l'oignon. Oui. T'as coupé quoi? L'oignon. Là, tu es en train de couper. C'est l'ail que tu es en train de couper. Oui, j'ai coupé l'ail. Oui, maman là est en train de couper. Tu es en train de couper les jambes. Je suis en train de couper un peu là. D'accord. On coupe ça et on va le mettre. Je vais mettre ça directement. Mettez aux mesures que vous voulez. Tu mets ça à côté. Oui, d'accord. Toi, tu continues à faire ça. Là, c'est le muscade. Je suis en train de râper le muscade. Vous avez vu, je râpais le muscade. Et maintenant, je veux faire ça. Oui, après, tu vas mettre ça. D'accord, chérie. Moi, tu touches pas le couteau, par contre. Le couteau, c'est maman. C'est le lait. Voilà. Là, j'ai mis un, parce que tout là est pas. Une cuillère, là, j'ai mis. Donc, je vais rajouter encore. Là, je vais mettre encore une cuillère. Voilà. Et je ne vous avais pas montré tout à l'heure l'huile aussi. On va mettre aussi un peu d'huile. Jusqu'à un peu. Vous pouvez prendre juste ma cuillère, hein, en fait. Vous pouvez mettre juste une cuillère. Bon, moi, j'ai déjà mis. Vous mettez. C'est pas grave, chérie. Tu vas ramasser après si c'est tombé. Ramasser après. Je vais couper des œufs. On va mettre 2 cuillères de moutarde. 2 demi. Et là, je vais mettre aussi. Je vais mettre aussi l'ail aussi. Et je vais mettre aussi un peu de citron. Je vais couper. Là, je vais couper mon citron. 2 tranches. Jusqu'à. J'ai pas besoin de mettre le 2. Je vais mettre jusqu'à celui-ci. Maman, tu fais tout ça. Oui. Tu veux le faire? Oui. Tiens, allez, fais. Allez, tu pinces. Pince bien fort. J'ai tout mis dedans. Là, je vais mixer un peu. On va aller. Voilà. Donc
là j'avais mis mes vous avez vu, j'ai mis 6 boulettes dedans, j'ai mis l'ail dedans et j'ai mis un peu d'oignon et je mets une jam dedans. Donc là je vais mélanger. Oui, on va mélanger ici, chérie. Voilà, vous avez vu. Maintenant, je vais commencer à masser. Peigné, pourquoi tu as laissé ça ici? Peigné, pourquoi tu as laissé le citron? Non. Allez. Maintenant, j'ai tout mis. Je vais commencer à masser. Je vais masser maintenant, mais je vais prendre une petite cuillère. Maman, et moi, j'y arrive pas. Tu arrives pas à faire quoi? Non, mais... Non, c'est bon, tu peux arrêter, Peigné. Je peux arrêter, hein, c'est pas grave, c'est fini. Là maintenant, vous avez vu, je vais commencer à masser et mettre les épices dedans. Vous mettez vraiment les épices dans votre poisson. Vous mettez là, comme moi j'avais fait des, j'avais blessé un peu, j'avais fait des trous ici. Je suis en train de le mettre dedans, sur les côtés, et je le tourne le poisson. Je mets partout, hein. Et je vais les laisser au moins pendant une demi-heure. Et après, je veux, vous allez Maman, voir l'autre étape. Je veux des moites, toi, pour mettre. Tu veux mes dossiers à mettre? Oui. Oui, ben viens. Allez. Voilà. Donc, à la maison, il faut montrer à vos enfants qui, même ici, ils ont 2 ans, comme ma fille, elle a 2 ans, essaye de laisser-les, comme dans la Bible, elle nous dit, hein, Jésus nous a dit, laissez les enfants, les petits-enfants, venez en moi. Donc, quand Dieu vous avait béni, vous avez donné une petite fille, laissez votre fille, si elle a des plaisirs à vous aider, à faire à manger avec vous. Donc, comme dans la Bible nous dit, laissez les petits enfants venir à moi. Donc, quand vous avez une petite fille, Dieu vous avait béni, vous avez donné une fille, si elle a des plaisirs à vous aider à faire à manger, donc laissez-les. Donc, moi, ma fille, elle aime bien venir dans la cuisine avec moi, faire à manger. C'est pour ça, aujourd'hui aussi, je me permets de vous montrer comment on prépare ensemble. Donc, vous voyez, elle a les plaisirs à toucher les poissons, masser. Donc là, je suis en train de mettre le poisson, je suis en train de saisonner le poisson là. Alors, donc vous mettez vraiment bien dedans. Vous avez vu comment je l'ai mis, hein? Je l'ai mis même l'intérieur, hein? Je l'ai vraiment saisonné bien l'intérieur et je vais laisser pendant une demi-heure. Donc je vous dis à tout à l'heure. Tout à l'heure. Maman, ça c'est moi seule. Donc voilà, je vais laisser au moins une demi-heure. Donc là, je vais commencer à poser mon poisson chanchard. Donc je vais les mettre au feu. Je vais mettre au feu là. Je mets là. Voilà, là où je vais poser mon poisson. On va laisser au feu au moins. Pendant là, je vais faire autre chose. Voilà. Donc, je vais laisser mon poisson. Donc voilà, donc là on va vous montrer, en fait on va laver des bananes plantains, parce que comme je vous avais dit, aujourd'hui on va manger des bananes, oui. Donc on va laver avec Peignel et après on va le couper, on va le mettre dans une casserole, on va le mettre au feu. Donc à tout à l'heure, mes frères et soeurs, maintenant on va le laver. Maman, je vais laver des... Oui, tu vas le laver? Oui. Viens, allez, viens, tu vas le laver. Allez, tu les frottes. Tu vas prendre une éponge. Allez, tu vas frotter comme tu fais la vaisselle. C'est comme si tu fais la vaisselle. Voilà, tu le frottes.
Allez, beignet, tu vas le mettre ici. Allez, tu mets dedans. Mais c'est bien. Allez, tu prends encore. Donc là, on va mettre le poivron vert et on va mettre aussi les oignons. On va mettre là, on va commencer, on va mélanger tout ça. Voilà. Allez, c'est bien peigné. On va mettre tout. Voilà, c'est bien. C'est bien chéri. Allez, on va mettre là. Et tiens, tu vas mettre un peu de ketchup. Et il faut mettre aussi du ketchup. Hein. Je ne vous avais pas montré. Désolée, je vous avais... Parce que normalement, tu peux mettre ou des tomates frais. Où tu mets le ketchup, donc on mettait pas beaucoup, donc vous avez vu, j'ai mis juste un peu de ketchup. Donc, je vous ai pas présenté au début, donc on met juste un peu de ketchup. Et là on va mettre un peu de l'eau. Non, c'est pas de l'eau, c'est le vinaigre. Donc là on va mettre un peu de vinaigre. Donc, on va mettre un peu de vinaigre. Oui, juste une cuillère vraiment une cuillère café, une cuillère de café, un peu. Vous avez vu, jusqu'à je mets juste un peu comme on ça. On va mettre un peu la mayonnaise. Oui, la mayonnaise, on va mettre après. Là, on va mettre un peu du piment. Oui. Comme il y a peigné, elle va manger, on va mettre jusqu'à léger. Parce qu'il faut mettre un peu de maman, piment. Donc, vous avez vu aussi, un pince. Au moment, c'est pincé. Allez, peigné, tu vas tourner. Tu vas touiller. Tourne, tourne, tourne. Voilà. Et maintenant, vous avez vu, on a mis tout ça. Maintenant, je vais mettre... la mayonnaise, oui. On va mettre la mayonnaise. Attends. Peigné, tu tournes doucement. Voilà. Tu tournes. Tu tournes, tournes, tournes doucement. C'est très bien. Tu tournes encore. C'est bien, peigné. C'est très bien. Donc là, vous avez vu, là, je vais tourner. Ça fait comme si j'ai fait une salade, hein, vous allez voir, mais je ça fait. Comment je mets la salade. Mais c'est pas salade. Donc là, j'ai mis la mayonnaise. La mayonnaise, vous pourrez mettre une quantité que vous voulez, hein. Si vous voulez mettre beaucoup, vous mettez beaucoup. Si vous voulez mettre un peu, vous mettez un peu. Donc mettez comme vous voulez. Donc voilà, peigné tourne encore. Tu tournes, c'est bien. C'est très bien. C'est bien Peignel. Hein? Peignel tellement. Elle aime bien la mayonnaise. Donc Peignel est en train de le mettre souvent. Voilà. C'est notre poisson. Il est là, le poisson. Maman, aime-moi donc, faire que ça. Oui, tu vas le faire ça tout à l'heure, chérie. Donc le poisson, ça colle à chaque fois. Donc il faut mettre l'huile quand on les tourne à chaque fois. Mais c'est pas grave. On va essayer de récupérer notre poisson. Voilà, on va mettre notre dernier poisson. Hop, on attrape. Tonton, tomate. Voilà. Voilà, c'est ça, papa. Oui, on va mettre notre dernier poisson là. Et là, Peignel, regarde. Regarde comment maman il est fait. Maman, elle veut mettre, maman. Oui, tu veux mettre. Allez, tu prends, tu vas mettre pour le dernier. Le dernier, tu vas mettre. Allez, tu prends. Tu mets dedans. C'est très bien, chérie. Allez. Voilà, on va mettre le dernier. Il y a quelqu'un qui est arrivé en même temps qu'on est en train de préparer. C'est pour ça que vous attendez. Il est en train de sonner. Voilà. Allez, on met là comme ça. Oui. Voilà, et oui, tu peux tourner, tu le mets, tourne, tourne, tourne comme ça, tu le mets, tu tournes, tu mets, et tu tournes, tu mets, c'est très bien, voilà, c'est très bien, c'est super. Peignel, regarde, regarde, tu mets, voilà, hop, maintenant, on va essayer de l'emballer. Là, c'est le dernier, donc on va emballer notre poisson. Là, on emballe, on le met bien. Voilà, on va rajouter encore une deuxième couche et après c'est fini. Et après, on va le mettre au four. Hein. Donc, maintenant, on était accompagné avec notre sœur Féroli, la fille de Dieu, et avec notre sœur aussi, Peignel. Hein? Peignel aussi, qu'elle était avec nous aujourd'hui. Hein, tu étais contente? Oui. Oui,
T'as aimé? Jamais. T'as aimé le faire à manger avec maman? Oui. Oui, on l'a fait. Et j'ai la cale. Oui, tu vas aller à l'école demain. La cale. Mais aujourd'hui, on a préparé le poisson. Donc voilà, on a préparé notre poisson. Là, on va essayer de le mettre au four, hein, vous allez voir. On va continuer. C'est pas encore terminé, mais c'est rapide. Hein? À tout à l'heure. Donc voilà, là, Peigné, on va sortir quoi? Le poisson. Poisson. Oui, donc on va prendre notre poisson qu'on avait mis au four. Allez, Peigné, tu fermes. Essaye de fermer. Ferme. Ferme. Voilà, c'est bien peigné. Allez, on va le poser ici. Voilà, on va le poser là. Je vais vous montrer notre liboquet. Vous voyez, notre liboquet, il est là. Liboquet à poisson, chanchard. Voilà, c'est ça, liboquet de poisson chanchard. Là, notre liboquet de notre chanchard avec le mayo, la mayonnaise. Hein. Vous avez vu comment il est? C'est bon, hein? C'est bon comme ça. On va bien manger aujourd'hui. Hein. Donc, je vais le poser ici. Voilà mes frères et sœurs, c'est votre sœur Féroline, la fille de Dieu. Donc aujourd'hui, on avait préparé poisson mayo. Donc là, on est arrivé déjà à la fin. Je vais vous présenter le poisson mayo. Et on va manger avec Peigné et Papa Junior. Donc là, je vous présente le poisson mayo. Vous avez vu le poisson mayo de début, c'était comme ça. Et là, on a notre chikwan. On a un chikwan ici. Et le banane planta qui se trouve là. Et on a un peu du piment si on veut encore, mais il y avait déjà du piment que j'avais mis au tout début que vous avez vu. Et on a un peu du jus pour manger, pour boire en fait à table. Et on a notre kibbe, les kirdans. Donc si vous êtes intéressé, il y a des choses. Donc voilà, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. C'était votre servante de Dieu, votre sœur Féroline, la fille de Dieu. Donc là, on va manger. Je vais laisser Papa Junior et notre sœur Peigniel. Hein? Peigniel, tu fais coucou. Donc là, on arrive à la fin. Vous avez vu Peigniel comment elle m'a aidé à la cuisine pour préparer. Donc voilà notre poisson mayo. Donc là, on va mettre. Donc là, on va mettre plutôt à Peigniel. De ce côté-là, on va donner à Papa Junior. Voilà. Donc, poisson mayo. Hein. C'est bon, ça. Donc, poisson mayo, comme vous étiez nombreux, vous m'avez demandé le poisson mayo. Donc, je vous avais préparé le poisson mayo. Et je vous mets un peu de banane pour mademoiselle Peigniel. Et là, il y a des chikwans. Et voilà. Voilà, vous pourrez manger. Peigniel qui a préparé aujourd'hui, hein, en tout cas, ben, elle a dit c'est bien. Et il y a Papa Junior aussi qui a commencé à goûter. Alors on là, va voir qu'est-ce qu'il va un nous peu dire. Qu'est-ce que ça va donner? Oui. Alors là, ça sent déjà. Aïe, 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 aïe. Ça va, ça c'est super ça. Ça c'est une nouvelle recette, hein? Oui, 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 oui. Donc il y a beaucoup, oui. Je crois que c'est la première fois que je vois ça, le poisson liboquet mayo. Oui, c'est la première fois. Donc je pense que je serai la seule que j'ai mis sur la chaîne YouTube. Parce que dès que j'ai mis sur Snap, WhatsApp, donc tout le monde, vous étiez là, vous m'avez envoyé des messages rapidement. Donc, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de le préparer, le poisson mayo. Donc, il est bokeh. Il y a poisson, il y a mayo. Donc, voilà. On va manger ça. Na appétit, mon co. C'est trop bon. Donc, bon appétit à nous-mêmes. N'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne YouTube, Féroline, la fille de Dieu TV. Abonnez-vous massivement pour la gloire de notre Seigneur.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On dit que Dieu a Nzambaza bien, Nzambaza bien, Nzambama l'amour. Il soit bien. Il soit bien, il soit bien. Il soit bien, il soit bien. Mais bloc à vous, Benza, tétété. Il soit bien. Peigné, tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? C'est trop bon. T'aimes bien? Oui, c'est beau. Ça, c'est tu dis abonnez-vous. Abonnez-vous. Donc voilà, Peignel, elle est concentrée à manger, hein, donc elle ne veut plus parler là, elle est concentrée tellement, c'est bon. Donc à bientôt, donc abonnez-vous et partagez pour la gloire de notre Seigneur. Au revoir, au revoir. Ça c'est trop bon. C'est bon. Trop bon. C'est trop bon? Super, ça. C'est bien.